délégation kenyane qui en Haïti depuis dimanche 20 août 2023 cap effectué mission évaluation sous problème qui lié à violence gang armée pour voir comment à travers une force multinationale yo capable aider la police haïtienne combattre fléau ça déjà fit à parler dans cadre yon séance travail ak gouvernement haïtien au conseil transition HCT ou état-major PNH accord diplomatique là lundi 21 août 2023 délégation kenyane qui composée à 10 personnalités d'après la primature, arrivé en Haïti dimanche 20 août 2023 pour une première évaluation situation haïtienne dans perspective support pour renforcer capacité opérationnelle intervention la police nationale d'Haïti. Nous là pour évaluer besoin PNH là, mieux comprendre situation et faire tout ça qui dépend de nous pour venir en aide à peuple haïtien. Nous t'a fait allusion à Youn dans déclaration chef délégation kenyane ambassadeur George Orina directeur général affaires bilatérales et politique ministère affaires étrangères et diaspora pays Kenya. Premier ministre Ariel Henry dit si démarche ça aboutit, ça pourra permettre la police nationale d'Haïti rétablir sécurité et la paix sur toute étendue territoire national et faciliter libre circulation monde et bien côté yo pral ka fait face à nouvelle forme criminalité gang armée pendant les dit y a continuer coopérer avec bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU. Avant ces jours dans pays d'Haïti délégation kenyane t'a fait quelques rencontres dans pays États-Unis, plus précisément New York, avec représentant pays à groupe cap travail pour une solution par rapport à crise sécurité haïtienne. Pays Kenya, c'est membre non permanent Conseil sécurité Nations Unies. Li engagé depuis 1989 dans des missions maintien la paix dans un pile pays, notamment Kosovo, en Yougoslavie, en Somalie, Soudan et divers autres. Délégation kenyane qui en Haïti a bien pour quitter pays d'Haïti mercredi 23 août 2023. Avant de quitter pays, li prévoit rencontrer à nouveau au état-major police nationale d'Haïti dans une journée de travail avec Premier ministre Ariel Henry pour un briefing. Fin mission. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince.